la présidence, c'est effectivement se tenir avec, se tenir devant, et c'est par conséquent bien tenir. Il ne s'agit pas de trop se retourner, il faut assumer, habiter ce lieu et répondre précisément aux critiques qui viennent. Le premier enjeu pour le protestantisme est celui de sa survie. Alors là, je plombe tout de suite l'atmosphère. Enfin, pas tant que ça, apparemment. Le protestantisme est impertinent là où il se trouve. Il n'est pas toujours à l'aise et il est prêt à dire pourquoi il n'est pas à l'aise. Encyclopédie du protestantisme. Et comme vous n'avez pas grand-chose à faire, vous pourrez prendre le temps dans la journée, par exemple. On a convenu qu'en 2017, nous pourrions commémorer les 500 ans de la Réforme. En tout cas, pour redire ensemble que nous sommes issus de la même famille et de la même veine théologique, de la même veine interprétative de l'Évangile. Mais aussi par rapport aux autres chrétiens. C'est-à-dire, nous n'allons pas commémorer la Réforme contre ou sans les catholiques, ou contre et sans les pentecôtistes. Ça n'aurait aucun sens.